Bonjour tout le monde, ici Manon Daniel et bienvenue à un autre épisode de Planet Coaster. Et puis aujourd'hui, on va probablement terminer notre parc. Mais juste vous montrer quelque chose ici, parce qu'on peut faire de la musique dans ce jeu-ci. Je sais pas si vous avez dit au courant, mais écoutez, comme là, mais on peut les faire parler ou chanter plus aigu. J'adore ça, ça fait tellement étrange. Mais oui, bon, ok, donc aujourd'hui, on va voir ça. Surtout être un épisode de décoration, je pense. Donc surtout un épisode de montage pour aujourd'hui. Je veux vraiment terminer cette barre-ci. Et puis après ça, on va terminer notre parcours complet. Vous aviez des super bonnes idées, des super bonnes suggestions dans les commentaires. Je vais essayer d'en faire une coupe. Il y en a qui sont peut-être un petit peu plus difficiles que d'autres. Il y en avait un pour faire un genre de chant de quelque sorte, par exemple, avec des bottes de foin. Pas trop certain comment je préfère des bottes de foin, hein? Est-ce que ça, c'est comme une botte de foin si je le descends? Ah, ça a juste l'air comme un buisson de quelque sorte. Mais ouais, ce que je suis en train de penser, franchement, là, pour côté commentaire puis tout, je suis en train de penser, il y a quelqu'un qui a suggéré faire un labyrinthe. J'aime l'idée de faire un labyrinthe. Je sais pas trop où je vais mettre mon labyrinthe. Peut-être ici. Ou peut-être ici, je suis pas trop certain. Mais on va checker ça. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre ici qui avait suggéré de faire genre des décorations autour de ça ici, mais de terminer ici avec une grosse grotte. Et puis le trésor qu'on a placé ici, en fait, le trésor serait dans la grotte ici. Donc j'aime ça aussi. En fait, c'est peut-être avec ça qu'on va commencer aujourd'hui, parce que j'ai une petite idée en tête exactement comment on va pouvoir faire ça. Puis on va aussi peut-être vouloir mettre la station comme telle dans la grotte. Donc... je me demandais pourquoi la madame avait crié. Elle a crié parce qu'elle est partie. En passant, juste vite ici, j'ai patenté un petit peu la montagne russe avant l'épisode commence. En fait, j'ai juste descendu ici la courbe. Pour faire... Il ralentissait trop ici. Donc là, maintenant... Oui! Il ralentit plus autant. Tout ce que j'ai fait, j'ai juste descendu un petit peu la hauteur. J'ai fait une coupe de... Mais je peux pas le dire. Je peux pas le dire à cause de ce commentaire-là qui est à l'écran. Donc, ouais. En fait, je suis posé de lire les commentaires, hein. Comment faire ça? Voyons voir. OK. Nouveau défi. Ne pas dire le mot... Durant l'épisode, y compris le moment où tu lis ce commentaire... Ça a-tu fonctionné? Je sais pas. C'est à vous à décider. Mais bon, ok, donc voilà, on va commencer avec un petit montage pour ça ici. On va commencer avec notre grotte. Et puis, je vais essayer de... Non, on va voir c'est quoi qui va arriver. Donc, let's go!
voilà! Bon, donc! Ça ici, c'est ce qui a été ajouté. Ça a l'air peut-être un petit peu drôle de loin. En fait, j'ai regardé à ne pas mettre autant d'arbres. Comment est-ce que se passe avec la caméra là? Pourquoi qu'elle est lente? Oh, la caméra là. T'es capable. Le parc commence à ralentir. Il y a tellement de choses dans le Moses de parc. Mais oui, ok, donc ici, genre de petite forêt parsemée de quelque sorte. Ici, on a une grotte qu'on va aller visiter. Et ici, un genre de labyrinthe. Donc, la première chose que je veux faire. En fait, peut-être qu'est-ce qu'on devrait faire? Attends un petit peu. Qu'est-ce qu'on devrait faire là? Parce que ça, ici, ça va être le dernier épisode. C'est qu'on va faire semblant qu'on est un visiteur. Parce que d'habitude, quand je fais une série de même puis je la termine, je fais semblant d'être un visiteur. Donc, faisons semblant d'être un visiteur. Hey, c'est notre ami Biscuit. C'est pas un biscuit, c'est un hamburger. Dinosaure, pirate, et King Coaster et notre parc! Yeah! Donc, je suis juste en train de flotter en ce moment. Faut utiliser la touche T. Ouais, dessus le clavier si on veut faire ça. Je vais essayer de rester à cette hauteur-ci, comme si ça a l'air, comme si je suis une personne. Et j'avance quand même assez vite, donc je suis une personne qui court! Go, 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 je suis en train de courir parce que je vais rentrer dans mon parc, et voici mon parc! Waouh, voici l'entrée du parc. Mais en tout cas, la section pirate du parc. L'autre section est de l'autre bord du lac là-bas, on peut pas la voir. Hey! On commence avec un petit spectacle, c'est vraiment, vraiment cool. Donc ici, on a le bateau, le gros bateau pis tout. Donc ça ici, vous vous imaginez, en fait, c'est l'ancien parc qu'on avait là dans la première série, disons. Il est de l'autre bord là-bas, là. On peut pas le voir en ce moment. Hein? Peut-être que je peux faire des trucs de caméra puis le mettre là. Je sais pas. Attends, on va essayer ça tantôt. Mais là, on marche par ici. Puis là, ici, on a Victory, ce qui est la grosse affaire de bateau là. Mais aussi, on a, si je viens ici, c'est la grosse affaire là de pirate. Donc là, ici, je peux juste. Excusez-moi tout le monde, c'est parce que je suis propriétaire. Et puis, couper en ligne ici. Hop, attention. Hop. Puis je vais juste embarquer avec tout le monde. Là. Oui! Donc en fait, on va juste faire tous les manèges. Aujourd'hui, je pense, là, avec le petit montage qu'on a fait, puis tout, le parc, les deux parties du parc sont pas mal terminées. Donc on va juste revivre, en tout cas, les montagnes russes au moins. Les autres manèges, on les a déjà toutes faites, puis ça fait que tourner en rond, puis spinner. Mais les montagnes russes au moins, on veut s'amuser un petit peu avec ça. Hein. Donc ça ici, c'était notre montagne russe raie, qui était comme une raie. Oui! Il faudrait qu'il nous permette d'ajouter des arbres à l'extérieur du parc, parce que ça avait l'air drôle un petit peu, ça. Wow! J'avais oublié un petit peu, elle est intense celle-ci un petit peu, non? Drette! Oh! Drette là, c'est là où ce qui est intense un petit peu, là. Oui! Ah! Cool! Wow! Ah, ça doit être super la fun! Oh! On s'est fait arroser! Ok, on vole! C'est vrai que c'était une petite montagne russe un petit peu courte. À chaque fois que je le fais, puis qu'on termine, puis on arrive ici, je dis qu'elle est un petit peu courte. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu courte. Mais c'est quand même cool. Oui! Ah, puis aussi, ça fait pas effet. Si on voudrait vraiment faire comme la montagne russe, il faudrait qu'on soit couché de même. Parce qu'on est couché dessus le ventre. Wow! Dans la montagne russe, on est couché dessus le ventre. Ok, ça c'était cool. Donc, excusez, je suis propriétaire, puis je suis excité, puis je vais essayer autre chose. Go. Donc, ça c'est la une montagne russe. Puis là, on va aller à l'autre montagne russe, qui est. Wow! Attention! Si la caméra va vite, faudrait que je change un petit peu la caméra pour aller un petit peu moins vite, je trouve. Mais je suis en train de courir un petit peu. On est ici. Super grand, toi, monsieur pirate. Ow! Ici, on a quoi? On a Worthy Rig, qui est la patente. La première chose qu'on a bâtie. Avec notre. Oh, c'est super beau. Puis, excusez notre plage de pirate ici. Puis on peut voir au loin ici, genre la genre de grotte. Puis aussi, il y a les pieuvres. Et les pieuvres. Oh, puis la tête de squelette d'être là. Puis le parc serait au fond là-bas. Mais il n'est pas là encore. Donc, on va aller là-bas. On va laisser ça, on va passer par le labyrinthe. Je vous avais sûrement vu pendant le montage. J'ai bâti un labyrinthe. Je suis bien curieux à savoir si j'étais capable de résoudre le labyrinthe. Il me semblait un petit peu simple. Mais là, la question va être si je rentre dedans. Est-ce que ça va être facile ou non? Donc, pour aller au labyrinthe, disons, on va passer par ici. On va aller au labyrinthe tout de suite. On monte ici les marches. Oui! Oui, je suis d'accord avec vous. Wow! Bon, je vais juste faire ça. C'est comme une montagne russe. J'ai mis deux toilettes aux sorties du labyrinthe. Donc, il y a une toilette ici, puis une toilette de l'autre bord. L'idée des toilettes, c'est vraiment juste... Je figure que tu vas rester pris dans le labyrinthe tellement longtemps que tu as besoin d'une toilette. Il y a aussi, dans le labyrinthe, un... une fontaine, de quelque sorte. OK, là, ça commence mal. Je me rappelle déjà plus dans quelle direction que je suppose aller. Je suppose aller par là ou par ici. Il n'y a pas personne non plus pour me montrer. Hein. Je pense que je vais aller par ici. Il n'y a pas personne pour me montrer exactement c'est où est-ce que je m'en vais. Ou c'est où est-ce que je devrais aller. J'ai mis des arbres. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des arbres pareils un petit peu partout.
Je suis pas mal certain que c'est pas par en arrière là parce que je viens d'arriver de par là. Mais oui, j'ai mis des arbres pareils partout. Puis après ça, en arrière, j'ai mis des arbres encore plus gros. Comme ça, on ne peut pas voir exactement. Par contre, je viens de le voir ici si je descends un petit peu. Ça, c'est la fontaine. Ce qui veut dire que ça va vers la fontaine. Ce qui veut dire que moi, je vais aller par ici. Excusez-moi, moi, je vais aller par ici, je pense. Ça, c'est un. Ouais, ça, c'est un trou de sac. Un cul-de-sac, excusez. Ça aussi. Ok. Ah, par ici. J'espère que je vais pas me perdre. Par ici. Oh, ça doit être grand. Oui! Jusqu'ici de même. Je pense que je l'ai là. Je pense que je l'ai. Juste ici. Puis à gauche ici. Et puis la sortie? Non. Ok. Merde, là, je suis vraiment perdu. Attends, tu peux. Par ici. Et. Aha! J'ai trouvé la toilette! Yay! Donc, je suis sorti de l'autre bord. Et voilà, on est de l'autre bord de notre grotte. De notre pieuvre. Et la pieuvre. Et puis là, on va aller là-dedans. L'autre montagne russe, juste voir les décorations. Je vais vous montrer un petit peu les décorations parce que si on essaie de les voir direct avec la montagne russe, ça va pas vraiment fonctionner. Mais on peut juste, parce qu'on est propriétaire, on peut juste rentrer ici et couper en ligne. Excusez-moi tout le monde. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment plus cool la nuit. Je gage. Mais on a. Ouais, parce qu'on peut pas vraiment voir la lumière. Donc, on a ici un genre de squelette. Vous pouvez voir, j'ai mis la lumière jaune. L'idée de faire, est-ce que. Ça, c'est un trésor. Ça brille jaune parce que c'est de l'or, le squelette ici. Et puis, caché dans la roche aussi, hop, là, c'est une tête de squelette. Il y a du feu qui sort des yeux. Hein. En tout cas, il y a du feu qui sort d'un œil. Je sais pas ce qui est parti de la flamme qui sortait de l'autre œil. Il suppose avoir une autre flamme de l'autre barre. Je sais pas ce qui est parti. Un petit peu, on va juste la rajouter. Je sais pas. Ok, il a perdu. Il y a un feu qui s'est éteint. Il y a peut-être une fuite de gaz en ce moment-là. Faudrait pas. Dans mon parc, je fais ça de même, ça de même, ça de même, puis ça, si vous vous demandez, c'est la touche X. On va juste descendre ça de même, et faire ça de même, et ensuite, recule. Wow, un petit peu trop. Je veux juste que tu sors un petit peu. Tiens, puis, je veux pas que tu aies l'air d'avoir les yeux croches, là. Tiens, parfait. Ça, c'est bon? Ouais, ça, c'est un petit peu mieux. Donc, ça ici, c'est de quoi ça a l'air le jour. Puis là, ici, j'ai mis des genres de vignes un petit peu partout, puis des roches dessus le plafond. C'est. Maintenant qu'ils nous ont donné l'habileté de genre bâtir des grottes, c'est le fun pis tout, mais ça fait pas des roches vraies, donc je me retrouve, j'ai comme le goût de quand même mettre des roches pour que ça ait de l'air un peu plus comme une grotte. Donc c'est ça que j'ai fait. Le sol ici, par contre, il devrait pas être vert. J'ai l'impression qu'il est devenu vert parce que j'ai peinturé par-dessus. Je pense qu'il est juste pris de même. Genre, il va donner à ce que tu peintures par-dessus. Je sais pas pourquoi. Il y a une lumière verte là, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est pour illuminer la forêt qui est par-dessus. La forêt qui est par-dessus. Ici, on a genre une intersection de 3-4 choses. Donc, il y a la ligne d'entrée, il y a le train, puis il y a la station comme telle. Donc, c'est de ça a de l'air. Je vais pas vraiment essayer de mettre des décorations ici, plus qu'autre chose. Il y a une genre de petite fenêtre ici où est-ce que tu peux voir qu'est-ce qui se passe à l'autre bord. Mais tu peux pas voir à 100%. Donc, c'est juste l'idée d'être un petit peu. C'est supposé être un petit peu mystérieux. Toi, je peux-tu juste monter? Bon, ok, non, c'est pas ça que je veux faire, là. Toi. Je peux-tu juste. Ouais, c'est ça. Monter. Juste te cacher dans le plafond comme ça. Je te vois pas. Merci. Ok, parfait, cool. Donc, on va l'essayer ou on va attendre? On va attendre au coucher du soleil. Comme ça, je peux vous montrer de quoi ça ici ça a l'air. Puis après ça, on va l'essayer, ok? Donc, je vais juste me mettre ici. Puis on va juste faire comme ça, on peut tout voir. Puis là, le train, je l'entends, il s'en vient. Il va me foncer dedans. Mais je vais faire un petit go, 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 juste pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Quand le soleil est couché, puis il fait noir. Et voilà de quoi ça a l'air la nuit. Donc, il y a quand même des petites affaires ici, là, des genres de petits flambeaux qui vont donner un petit peu de lumière. Mais c'est quand même assez sombre. Puis tu rentres ici, puis tu peux voir le trésor comme tel est super brillant. Donc, ça a l'air comme si la lumière vient du trésor comme tel. Puis au loin, puis c'est juste pour dire, il y a une tête de squelette qui te regarde. Juste pour dire, il y a un petit peu de brume qui sort, puis tout. Donc, c'est de ça a l'air. Là, je pense que le train il vient de partir. Est-ce qu'il vient de partir? Est-ce qu'on vient de le manquer? Ou est-ce que pas encore? Un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ah non, il est encore là. Donc on va rembarquer dedans, puis on va laisser. Oh, tout le monde embarque dedans. Nous aussi, on va embarquer dedans. Oh, envoyez, envoyez, change. Ben, c'est pas une bonne caméra. En fait, celle-ci, je peux vraiment faire ça de même. Il y a une grosse patente en avant, là. Mais tiens, donc voici notre belle montagne russe. Maintenant, avec la grotte. Une suggestion de. Wilhelm, merci Wilhelm pour la suggestion. Puis pendant que je suis en train de checker pour ça aussi, il faudrait que je trouve ici. C'est qui a suggéré le labyrinthe? Oh! Oh, c'était Yann! Oui!
Yann Couchetard, j'espère que je dis ton nom comme il faut. Merci pour la suggestion. Wow! Donc ça ici, ça n'a pas vraiment changé. J'ai ajouté une coupe d'arbre, mais autrement, c'est pas mal la même chose encore. Oh, je viens de voir la toilette. Oh, j'ai des bras! Oh mon dieu, ça c'est étrange. Je pensais vraiment pas avoir des bras. Wow! Ah! Ok, pour quelque raison, là, j'avais 4 bras. J'ai comme 2 paires de bras à droite, puis un bras à droite, puis un bras à gauche. Ok, là, ça c'est pas le fun. On vient de se faire maganer. Mais là, tu rentres ici. Puis là, l'idée, c'est que tu peux regarder, puis tu peux voir. Hey! Déjà, il y a quelqu'un là. Il a l'air super content, le monsieur. Mais il y a la grotte, puis tout. Puis après ça, tu rentres, puis tu termines. Oh. Puis les gens parlent de toi, tout. Bonjour tout le monde! Donc, c'est pas mal ça, hein? Pour celle-là, là, je suis pas capable de sortir, je prie. Comment que je sors d'ici? Laisse-moi sortir, ok, ok, cool. Là, la question c'est... Oui! Moi, à la fin de la journée, là, je suis juste en train de voler, là. Hop! Excusez tout le monde, c'est parce que je suis propriétaire. Hop! Et voilà. L'affaire, vraiment, c'est que ça ici, c'était jamais vraiment supposé d'être son propre parc, hein? C'était juste supposé d'être une extension à l'autre parc qui devrait être au bord de ce building-ci, puis en fait, qui devrait être de l'autre bord... C'est quoi ça, ce bateau-là. Donc, en fait, si je ferme les yeux puis j'avance, je devrais me retrouver dans l'autre parc par magie, hein? Me semble? On va essayer. On y va. Hop! OK, là, je vous demande juste, on vole. Je vous demande juste de fermer les yeux. Et puis, on va voir, peut-être qu'on va se retrouver dans le fort. Puis, ça fonctionne! Yay! Comme vous pouvez voir, c'est super saccadé. C'est la raison pourquoi on avait arrêté de jouer avec ce parc. Parce qu'il y a tellement de choses dans ce parc. Mais oui, donc imaginez qu'en arrière, c'est justement le parc qu'on vient de quitter. Et puis là, ici, on arrive évidemment à gauche. Là, on a nos gros bateaux qui volent. Puis qui sont en train de s'entretuer. Ici, notre montagne russe initiale qu'on a bâtie. Il y a tellement, tellement longtemps maintenant. Et puis comme on avance... Je me demande si on va l'avoir passé. Et où? Il est en train de monter là-bas. Mais ouais, puis comme on avance vers le phare. Le phare qui est hanté, on peut voir l'église là en plein milieu. La grosse bébite à gauche là. Et puis évidemment l'euro ou le mononxat, si on veut. Qui est dans la grosse boule là-bas là. Avec les petits spots de lumière dessus. Donc ouais, voilà. Si j'avais pu, les six mangent les raies. C'est quoi la règle? Si ça avait été possible, j'aurais tout bâti ça dans un parc. Mais comme vous pouvez voir, juste à rouvrir ce parc-ci, le jeu a beaucoup de difficultés. Donc, malheureusement, ça fonctionne pas. Hey, le volcan aussi, j'avais complètement oublié à propos du volcan. Mais vous pouvez imaginer que là-bas, au fond, où il y a en ce moment un genre de mini-ville de pirates, c'est le monde ou le parc qu'on vient de créer. Et puis ici, c'est le parc initial. Oh boy! Oh, ça c'était proche! Oh, ça c'était bien proche, on a failli recevoir une montagne russe dans la face. Mais tiens, pas une montagne russe, c'est un manège, ça, Daniel. Qu'est-ce que tu dis là? Mais voilà, donc c'est pas mal ça. Écoutez, je pense que ça ici, avec les 4 derniers épisodes des défis, tout ensemble, ça va faire la première saison, si on veut. Donc, tout se mélange ensemble. Parce qu'à la fin de la journée, comme je dis, c'était supposé tout être un gros parc. C'est juste que malheureusement, le jeu a des petits problèmes de performance. Et malheureusement, mon ordinateur n'est pas la plus puissante. Elle commence à montrer un petit peu son âge, elle a 4 ans après tout. Donc, ouais, ça veut dire que notre première saison, elle est officiellement terminée en ce moment. Hein? Et puis, vous avez laissé une quantité industrielle de défis dans les commentaires qu'il faut maintenant que j'essaye de résoudre. Mais oui, tout ça ici, là, les derniers épisodes dans ce monde-ci, et puis les 4 épisodes qu'on a fait pour le dernier, c'est tout ensemble, c'est la première saison. Et puis là, maintenant, avec ce joli lever de soleil, on va dire merci beaucoup à la première saison. Merci beaucoup à notre premier parc! Oh, c'est dommage qu'on doit laisser partir. J'espère qu'ils vont faire des améliorations dans la prochaine version, puis peut-être qu'on peut revenir, puis juste le vivre des expériences, puis faire des montagnes russes. Mais là, en ce moment, c'est juste pas plaisant faire des montagnes russes là-dessus, c'est tout saccadé, c'est pas le fun. Mais autrement, hein, je vous invite à continuer à me laisser des commentaires et des suggestions dans les commentaires. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. On peut voir... le manège dans le parc commence tout à devenir noir, comme on est en train, comme je suis en train de faire la fin. Ça doit être un mauvais signe. Uh-oh. Mais bon, comme je dis toujours, merci beaucoup pour les commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine.